Salut tout le monde, welcome back to my channel. Alors aujourd'hui on se retrouve encore pour une toute nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui consiste à faire du poisson braisé à la poêle. Sans plus tarder, nous passons à la préparation. Allons-y. Alors pour notre poisson braisé à la poêle, nous avons besoin du poisson. Vous savez, le poisson, il y a plusieurs variétés. Vous pouvez utiliser le poisson que vous voulez, que vous aimez et qui vous plaît. Dans notre cas, nous allons utiliser ce poisson-ci là. Ensuite, nous aurions besoin des différents poivrons. Alors, également, les poivrons sont facultatifs, les couleurs. Vous pouvez utiliser une couleur unie ou alors vous pouvez utiliser trois couleurs comme je l'ai fait. Ensuite, nous avons besoin des persils, d'une gousse d'ail, du piment, de la tomate et enfin, nous avons besoin d'une gousse d'oignon. Sans plus tarder, nous allons commencer par l'assaisonnement de notre poisson. Bon, pour cela, nous avons mixé de l'oignon, de l'ail, du poivron vert, du cuivre, du sel et certaines épices que nous allons mélanger pour l'assaisonnement. Bon, pour les épices, il s'agit du poivre noir et du poivre blanc. Nous allons mélanger tout cela. Assaisonnons comme ça. Une fois l'assaisonnement terminé, nous allons passer à la friture. Nous allons mettre un peu d'huile d'olive dans la poêle. Juste une toute petite quantité, hein, pas beaucoup. Et puis, on va attendre que notre huile qu'on a mis là puisse bien chauffer. Une fois que l'huile est chauffée comme ça, nous allons rajouter le poivre. On ferme pour qu'elle puisse cuire. Et on se retrouve dans quelques minutes. Pendant ce temps, on s'occupe de la préparation du piment. Nous allons faire le piment à côté pour accompagner. Nous allons tout mixer cela. Nous allons mettre là les oignons, ensuite le piment. Nous allons rajouter un tout petit peu de persil, sans oublier le poivron. Ensuite, nous passons tout cela au mixeur. Nous retournons notre pâte sur le poisson. Et on attend qu'elle puisse. Actuellement, que notre poisson est cuit de deux côtés, nous retirons. Nous passons à la préparation du piment. Nous allons juste mettre des mille pour que le piment puisse cuire. Ensuite, nous ajoutons du cube. Et du sel. N'oublions pas de mettre l'huile. Notre piment est bon. Voilà, notre poisson braisé à la poêle est prêt.
Comme vous pouvez constater, nous avons utilisé la tomate comme décoration. Nous l'avons découpée en rondelles ainsi que les différents poivrons. Et elle est accompagnée de la mayonnaise et du piment. Voilà, c'était tout pour la vidéo. Si elle vous a plu, surtout n'hésitez pas de liker, de commenter et de partager. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas de le faire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater des nouvelles vidéos. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.